J'ai lu ça hier. Je sais qu'on rencontre beaucoup de problèmes au niveau des premières lignes. Mais simplement, je comprends Bernard aussi qui malheureusement est contraint de ranger un peu son équipe par rapport au fait qu'il y a beaucoup de sélectionnés. Après, c'est. On va dire que c'est un peu délicat aussi parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de sélectionnés dans ce club et que malheureusement, si on joue un doublon, pardon, ben on est contraint de laisser beaucoup de joueurs sur le côté et problème d'effectif. Donc voilà, après je ne sais pas s'il ira jusqu'au bout, je ne peux pas vous en dire plus. Et je vous laisse le soin de lui demander mardi ou mercredi. Ben, vous savez très bien qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de blessés en première ligne, que ce soit en fédéral. Je pense à mon ancien copain, enfin mon copain qui est Alex Barozzi, qui s'est blessé avec Bagnères de Bigorre en fédéral 1. Donc voilà, vous doutez bien que c'est toujours un peu délicat quand un manager doit. Voilà, même si on sait que certains jeunes joueurs doivent passer par là pour s'affirmer. Et on sait très bien qu'aussi, malheureusement, il y a eu souvent des blessés en première ligne et qu'on le souhaite à personne et que. C'est compliqué, qu'on veut remédier à tout ça, mais voilà, c'est délicat parce que l'effectif de Toulon quand même est bien doté. Et du coup, voilà, on pourra savoir uniquement à la fin du match si jamais le jeune joueur aura répondu présent à bon escient ou pas.